Donc moi c'est Annabelle Merlier-Lemoine, j'ai 38 ans, je suis originaire de Dunkerque, j'ai vraiment hâte de t'affronter. Je me suis entraînée très dur, maintenant je suis prête. Place au combat. Voilà, c'était Annabelle Merlier-Lemoine. Elle sera dans le coin bleu du coup. Voilà, son entrée va pas tarder. Elle va monter on stage avant d'arriver dans la cage. Dans sa zone de guerre, on va dire. Voilà, elle faisait 52,4 kg hein, à la pesée hier. Contre 54,9 kg pour Hani Flo. Voilà, on va apprécier l'entrée de Annabelle Merlier-Lemoine. Annabelle, elle est bien aussi en forme. Hein? Ah ouais, Annabelle elle a changé une musique qui met l'ambiance, qui fait vite remonter l'ambiance ici au Parc Verde. La musique assez hard hein, pour taper aussi hard, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait du beau spectacle ce soir avec contre Hani Flore et Annabelle Merlier. On va voir aussi comme ça, c'est le premier fight qu'elle a par dehors et par dehors. Et quand tu fight dehors, c'est un peu plus chaud aussi. Ben voilà, Hani, elle a l'habitude de combattre à l'extérieur. Donc là, ça sera l'occasion pour elle de combattre à la maison, comme elle a toujours voulu, en professionnel en plus. Du coup, ça sera un très beau combat. Annabelle Merlier qui a l'air très confiante hein, dans l'entrée de l'octogone. Elle sera donc dans le coin bleu. Elle aussi nous a promis hein, du bon combat. Elle a promis une bonne performance ce soir, donc on verra bien. Pas oublier qu'elle vient du judo et du BJJ. Je m'appelle Florani, je suis combattante professionnelle de MMA. On sera dans la cage et puis voilà quoi. Entrée assez spéciale hein, pour Hani Flore.
quand j'ai parlé là hier avec Hani, elle a dit qu'elle était un peu fatiguée pour le cut. Hein. C'était un grand cut, mais je pense qu'elle avait un jour et demi pour récupérer. Ça va être OK aussi. Voilà, très spécial de Hani Flo pour marquer le coup. Je pense que ce soir, elle a envie de marquer le coup avec ce premier combat professionnel en Polynésie. Donc, Hani Flore, hein, très concentrée, elle a l'habitude des grands combats à l'extérieur. Là, elle combat à la maison, c'est très spécial pour elle. C'est bon, comme on dit, on finit cette soirée avec notre combat professionnel, le premier combat professionnel féminin organisé en Polynésie française, avec dans le coin bleu, avec trois victoires et une défaite, Annabelle Merlier Lemoine. Et du coup, dans le coin rouge, avec quatre victoires et trois défaites, Flore Annie. Et donc, faites du bruit pour le match de ce soir, le dernier match, c'est le match professionnel féminin, le premier de Polynésie française. Merci à tous, encore un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, Manato, combat pro, c'est sans protection alors aussi au niveau des tibias. Hein. Ouais, tu peux faire les genoux par la tête et tu peux aussi... Le coude. Ok. Voilà, donc le combat en professionnel, souvent, ils se sentent un peu plus violents. Hein. Là, vous voyez, pas de protection, que les gants. Que les gants, là, voilà. Les visages se ferment. On voit Annabelle qui était très souriante au début, et là, qui était très, là, qui est très, très fermée, là. Voilà, Hani Flo, très confiante aussi. Essayer de garder la distance. Au niveau taille et poids, hein, se valent, hein, 1m60 pour Hani, 1m59 pour Annabelle. Bon, juste une petite différence de poids, hein, 2 kilos, presque 3 kilos en plus pour Hani. 54,9 contre 52 kilos pour Annabelle. Voilà. Sans la concentration des deux fighters. Hein. Style très spécial, hein, de Annabelle. Avec le menton qui est collé au torse. Hani, elle bouge bien aussi, ouais. Hein, quand when she goes backwards, she changes stance. Hein. Mm. Il y a un bon style, hein, je pense qu'elle a une bonne boxe.